السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم جميعا في درس جديد ان شاء الله باذن الله. في هذا الفيديو غادي نقدموا لكم لانتروداكسيون ديال لي مات تو سامبلومون بالنسبه لهذا الموسم الجديد الدراسي الجديد. الوغ قبل ما نطرقوا لاجيبغ ان او بيان لاناليز ان، دونك تو سامبلومون خاصنا دي تكنيك دو باز، دونك خاصنا دي تكنيك دو باز. دونك تو سامبلومون on va appliquer ou bien on va traiter la notion ou bien les notions immédiates. Donc on va voir les ensembles et les applications. Donc ensemble et application tout simplement. Donc ensemble, application. Donc ayez mateux. Bien, et au lieu de quitter les maths, tout simplement, c'est qu'on a les ensembles et les applications. Donc, tout simplement, on va débuter par le vocabulaire, bien, la théorie des ensembles. Vocabulaire de la théorie des ensembles. Voilà. Donc tout simplement, on dit X appartenant à E. Donc E voit l'ensemble bien. Donc voilà la phrase, on va dire X tout simplement est élément de E. Donc X élément de E. Ou bien X appartenant à E. Donc E ou à l'ensemble, bien tout simplement. Donc on ne cherche pas à définir les notions primitives d'éléments d'appartenance ensemble. Donc on peut distinguer deux façons de définir un ensemble. Donc la première, donc c'est par extension. Donc la première c'est par extension et la deuxième c'est par compréhension. Donc on a deux choses. C'est par extension et par compréhension. C'est-à-dire, donc par extension, donc on donne qu'on appelle les listes des éléments, par exemple on entra en particulier par exemple avec N ou bien N appartenant à grand N, donc l'ensemble des nombres entiers. Donc par exemple comme ça, donc 0 de N de cet ensemble, c'est à dire c'est 0 jusqu'à élément N. Donc c'est par extension. Et par compréhension, donc par exemple, on donne une propriété, donc on appelle la propriété P, donc après, P, donc P sont des éléments, donc des éléments, juste une notation des éléments. Donc par exemple, on a un élément X, tout simplement, appartenant à l'ensemble, donc X. C'est appartenant à l'ensemble E, et seulement si est vérifié, donc il vérifie, donc il vérifie la propriété d'un, ce qu'on note, donc tout simplement c'est P de X. Voilà, donc c'est par compréhension, donc par extension. On va dire comme ça, c'est un exemple, et par compréhension, donc dépend l'assertion l'erna. Donc dépend l'assertion l'erna, tout simplement. Donc on va voir certains ensembles et notions. Donc on va voir certains ensembles et notions. Donc tout simplement, donc erna, c'est l'ensemble vide. Donc, ensemble vide. Aussi, elle a
c'est l'ensemble des entiers. Donc, ensemble vide, et N, c'est l'ensemble des entiers. On a aussi N étoile, c'est quoi? C'est l'ensemble des entiers non nuls. Et aussi, on a Z. C'est quoi Z? C'est l'ensemble des entiers relatifs. Aussi, on a Q. Donc, Q, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres. Les nombres rationnels. Voilà. Donc, si tu as un bac en termes de notions, justement, globalement, mais les études supérieures, donc, on va définir tout un tas des ensembles éventuellement en détail. Donc, il y a l'ensemble R, c'est l'ensemble des quoi? Des réels. Et aussi R+, c'est l'ensemble des réels quoi? Positifs ou non nuls. C'est comme N étoile, mais on dit R+. Voilà. Donc, on peut dire soit R ou bien un ensemble E, ou bien un ensemble E étoile, ou bien ensemble E plus, E plus, ou bien un ensemble M moins, E moins. Donc tout simplement. Donc dépend la relation avec les nombres. Voilà. Donc voilà, tout simplement, c'est les ensembles DNA. Donc ensemble vide, ensemble des entiers, ensemble non nul, des entiers non nuls, ensemble des entiers relatifs, ensemble des nombres rationnels et l'ensemble des réels, l'ensemble des réels positifs ou bien non nuls. Donc, Schna, vocabulaire de la théorie des ensembles. Donc, simplement, on dit que X appartenant à E ou bien X élément de E. Donc, on a aussi la partie pour tout simplement distinguer entre la définition des ensembles, donc soit par extension, soit par compréhension. Soit on dit par exemple N appartenant à N et on définit comme ça. Soit on dit que P c'est l'ensemble des éléments, N a une assertion et on vérifie que tout simplement c'est X appartenant à E. On dit que là, on note que P de X c'est notre relation. Donc on va voir les relations d'inclusion. Donc relation d'inclusion. D'inclusion. Donc, c'est-à-dire, donc, on note que A inclut E, ou bien on lit comme ça, on lit quoi? On lit que c'est A inclut E. Donc, c'est A inclut E, tout simplement. Donc, le symbole là. Donc, c'est inclus. C'est-à-dire que l'ensemble A inclut l'ensemble E. Donc, l'ensemble A, dans l'ensemble, il y a aussi l'ensemble E. Demna. E, demna A. Voilà. Donc, si on dit que, ou bien en termes d'espace, on dit que A est un sous-ensemble de E. Donc, c'est un sous-ensemble de E. Donc, pour tout ensemble E, ainsi dit, l'inclusion, l'ensemble vide inclut E. Donc l'ensemble vide
inclut E, tout simplement. Donc, l'ensemble vide inclut E, pour tout ensemble E. Donc, on dit que N inclut Z, donc l'ensemble des nombres entiers inclut l'ensemble des nombres relatifs, inclut l'ensemble des nombres relationnels, inclut l'ensemble des nombres réels. Pardon, j'ai fait une erreur sur ce schéma. Donc l'ensemble des réels, donc voilà, N, Z, Q, R. C'est R, c'est la dernière. Et aussi, on a, à part d'inclusion, on a la relation. La relation de réunion. Donc, on a la relation de réunion. Donc, on a la relation d'inclusion et la relation de réunion. Le symbole de la relation de réunion, c'est comme ça. Donc, on dit que A réunit B. Donc, il y a l'ensemble A et l'ensemble B. C'est une relation de réunion. Donc, c'est-à-dire tout simplement A réunit B, c'est, on dit que X et X appartenant à A ou X appartenant à B. C'est comme ça. Voilà. Donc, on dit que X appartenant à A ou X appartenant à B. On passe à d'autres choses. Donc, on a la réunion et on a l'inclusion et on a aussi l'intersection. Donc, intersection. Donc, tout simplement, l'intersection, c'est quoi? C'est on note que A inter B, tout simplement avec ce symbole. Ce symbole. Donc, c'est-à-dire que on dit comme ça que X et X appartenant à A. Cette fois, est-ce que ou E, c'est E, et X appartenant à B. Voilà. Alors, généralisation. Généralisation. Donc, tout simplement, on a, c'est quoi? C'est quoi ce symbole? C'est l'union. Donc, de I appartenant à l'ensemble I, de l'élément, bien l'élément I, de l'ensemble A. Donc, tout élément de I de l'ensemble A. Donc, c'est-à-dire qu'il existe, donc tout simplement, il existe. Quoi? Il existe I appartenant à E tel que X appartenant à l'ensemble A de I. Voilà, c'est pour l'union. Et pour l'intersection, on fait l'inverse. Donc tout simplement, c'est de I appartenant à l'élément I de A de I. Donc, c'est-à-dire X de I, il existe, ou bien pour tout élément I appartenant à grand I, que X appartenant à A de I. C'est ça notre généralisation pour les deux éléments, bien là, l'intersection et la réunion. Donc voilà. L'intersection et la réunion, et je fais l'inclusion aussi. Donc l'inclusion, c'est A est un sous-ensemble de E, c'est-à-dire A inclut ou E. Donc A est un sous-ensemble de E. Et pour la relation de réunion, donc on a A réunit B, c'est-à-dire de X appartenant à A, ou, cette fois c'est où, c'est pas E, donc c'est où, B. Et pour cette intersection, c'est E, tout simplement. Et on a que N, c'est-à-dire N
et inclut Z et inclut Q et inclut R. Voilà. Alors, on va voir aussi l'ensemble des parties. Ensemble des parties E. De E. Voilà. Donc, on note que P de l'élément E, donc c'est l'ensemble de parties, on fait ce symbole-là. Donc, c'est l'ensemble de toutes les parties. De toutes les parties de E, c'est-à-dire l'élément de A, bien l'ensemble de A. A, c'est inclus E, tout simplement. Donc, on va voir, on va voir quelques notions sur les sous-ensembles. Donc, on a A, donc on va choisir soit A, B et C. Ce sont des sous-ensembles, des sous-ensembles, tout simplement de E, donc de référence E. Donc on a A. A cette fois, c'est quoi ça? C'est réuni, B inter C. Ça donne quoi? Ça donne A et réuni B. Donc A réuni avec B inter de quoi? De A réuni avec C. Donc A réuni avec B inter, tout simplement inter de A réuni avec C. Et on a A inter B réuni avec C, ça donne quoi? Ça donne A inter B et réuni avec B inter, ou bien A, pardon, A inter C. Voilà. Et aussi, on a la négation. Donc, on a A réuni B avec une négation et on a non A, c'est-à-dire non A inter, donc inter non B, et on a A inter B, le non, c'est-à-dire le non A réuni le non B. Donc toujours, une équipe on a le symbole qui est très beau. Voilà, qui est très beau le symbole. C'est tout simple, tout simplement. Donc, il y a qu'un l'élément, le sous-ensemble il y en a, avec un ensemble vide, ça donne quoi? Donc A réuni ensemble vide, ça donne quoi? Ça donne A, parce qu'il y en a A, tout simplement. Et si on a A réuni l'ensemble vide, donc Naya c'est réuni, union, mais c'est intersection. L'ensemble vide, ça donne ensemble vide. Et si je donne, par exemple, A réuni E, ça donne E tout simplement. Et si je fais, on va le faire ici, si je fais A, on a fait ici union. Maintenant, c'est intersection de E. Ça donne quoi? Ça donne A, tout simplement. Voilà. Donc, on a A union, B intersection C. C'est tout à fait simple. C'est A union B inter A union C. Si on fait A inter B union C, c'est A inter B union A inter C. Et si on fait la négation sur A union B, c'est non A inter non B. Et si on fait la négation de A inter B, c'est A l'inverse. Cette fois c'est l'inverse. C'est non A union non B. Et si on fait A union
L'ensemble vide, ça donne A. Si on fait A union l'ensemble E, ça donne E. Si on fait A union l'ensemble vide, ça donne l'ensemble vide. Si on fait A inter l'ensemble E, ça donne l'ensemble A. Donc voilà. Donc notez bien que voilà les ensembles, c'est quelques pratiques nécessaires pour comprendre l'ensemble des parties de E. Voilà. Alors, on va généraliser tout ça, tout simplement, avec une... Alors, on va généraliser tout ça, donc tout simplement, on va généraliser. Donc, les règles de calcul qui se généralisent, donc, avec les exemples, les chemins. Donc, tout simplement, c'est B union, l'ensemble d'intersection de éléments I appartenant d'ensemble I, de ensemble A, tout simplement, c'est quoi? C'est l'union, l'ensemble de l'union de l'élément I, de l'ensemble I, c'est avec le B union l'ensemble A de I. Voilà cette généralisation de tout ça qu'on a vu, tout simplement. Donc, en remarquant, donc, maintenant, on a une petite remarque. Donc, la petite remarque que A inclut B, tout simplement équivalent de dire que B ou bien A union B est égal B, équivalent de dire que A une intersection de B, équivalent de dire que A. Voilà. C'est-à-dire que A inclut B, qui va nous dire que A union B, c'est-à-dire égal à B, et l'inverse. A inter B, c'est A. Voilà. Donc, on va passer sur d'autres choses, c'est les fonctions et les applications.